RMC, 16h-18h, Intégral Foot, Florent Beautreau et Franck Leboeuf. Et Chérif Guémour, jusqu'à 18h, on va parler de l'OM. Tiens, en tout cas, tiens, Rémi, supporter de l'OM, qui nous appelle d'Australie. Salut Rémi. Salut à tous. Salut. Rémi de Brisbane. De Brisbane, exactement. Eh oui, Rémi de Brisbane. Je t'attends pour l'étudiant de Franck d'ailleurs. Ouais, parce qu'on s'était parlé il y a quelques jours. Ouais. Est-ce que ce recrutement marseillais, on a parlé de Batshuayi qui est bon d'ailleurs dans les matchs de préparation, qui marque Alessandrini. Est-ce que ça te paraît suffisant, Rémi, pour, je le disais, permettre à Bielsa de hisser l'OM sur le podium? Bah, t'as pointé exactement ce qu'il fallait, je pense. C'est que c'est suffisant, mais offensivement. C'est-à-dire que Batshuayi, c'est un attaquant, Alessandrini, c'est un milieu offensif, et puis il y a pas mal de très bons joueurs au milieu et en attaque, avec ceux qui restent de l'année dernière et ceux qui vont éclater encore cette année. Moi, la grosse inquiétude, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est en défense, parce que surtout qu'on voit que la tactique de Bielsa, c'est de jouer avec trois défenseurs centraux. Si on est pragmatique et qu'on fait un petit point sur l'effectif actuel, y a qui en défense centrale? Il y a Lucas Mendes qui va peut-être partir. Bon, admettons qu'il reste. Il y a Nicolas Nkoulou. Il y a Alexis Romao qui l'a donc décalé du milieu de terrain vers la défense. Les trois défenseurs centraux aujourd'hui, c'est ceux-là. Il n'y a plus Diawara, il n'y a plus Fanny, même s'il est encore à moitié là. Ça fait très très léger. Momo a peut-être parlé donc d'un latéral droit qui allait arriver et d'un défenseur central. Ben, malgré tout, ça ferait quoi? Ça ferait quatre joueurs, ça fait ledge pour une défense à trois. Ça fait un remplaçant susceptible de jouer. Après, on a qui derrière? Et même question au niveau du latéral droit. Donc bon, s'il y a un gars qui arrive pour suppléer Djadjadjé, c'est bien. Mais j'espère qu'il va arriver, parce que sinon Djadjadjé, c'est quand même un petit peu léger. Même si Bielsa peut faire très bien jouer des jeunes joueurs. On sait que c'est son truc. Hein. Et d'ailleurs, en match de prépa, on a retrouvé des Djadjadjé, des Mendy, très à l'écoute, attentifs, travailleurs. Même Morel, effectivement, plus dans le moule. Mais bon, Morel, il fait jouer aussi en défense centrale. Enfin, exactement. Je veux bien essayer dans la défense centrale. Voilà, ouais. C'est clair. Rémi, donc, c'est vrai que recrutement un peu léger. Tiens, une question, Franck. On va parler de tous ces joueurs-là dans quelques instants. Merci Rémi qui nous appelle de Brisbane, on le rappelle, en Australie. Et oui, on a des auditeurs en Australie. À bientôt. Beaucoup en France et quelques-uns en Australie. Salut Rémi. À bientôt, les gars. Salut, Rémi. Bonne saison avec l'OM. Dans quelques instants, on va donc continuer à parler de l'OM. Et on va...